Alors, d'abord, la vraie fin, c'est pas l'ouverture du mur, c'est la fin de l'URSS. Donc, fin 91. Donc, c'est à partir de 92 qu'on est dans ce monde différent qui est le nôtre avec la Russie. Après, il y a eu le long processus d'adhésion des pays d'Europe de l'Est à l'Union européenne qui a pris en gros 15 ans à peu près, puisque la plupart d'entre eux sont entrés en 2004. Bon, avec le recul, qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord que la réunification, comme la fin de l'Union soviétique en général, était merveilleusement bien gérée. C'est assez étonnant d'ailleurs parce qu'il y a eu 1000 petits désaccords tout le temps entre Kohl et Thatcher, entre Kohl et Mitterrand, entre Mitterrand et Thatcher, entre Kohl et Bush, entre Bush et Mitterrand, sans parler de Gorbatchev. Mais finalement, chacun de ces désaccords légitimes, parce que les uns et les autres représentaient des intérêts nationaux légitimes mais pas automatiquement convergents, tout ça a été intelligemment surmonté, des solutions ont été trouvées sur la frontière Oder-Neisse, sur le lancement de l'union monétaire, sur le mode de négociation de plus 4, etc., etc. Et donc, le souvenir avec le recul, c'est un, moi je dirais, un modèle d'intelligence collective qu'on peut opposer à ce qui s'est passé à propos de la Yougoslavie, où la désintégration de la Yougoslavie n'a pas été gérée par les Yougoslaves eux-mêmes qui ont déclenché la désintégration, et après, ni les Européens, ni les Russes, ni les Américains, ni le pape, ni personne n'a pu contrôler quoi que ce soit. Donc le contraste est très saisissant. Donc avec le recul, à mon avis, c'est vraiment passé très positivement. Après, le processus d'unification européenne a continué. C'est très remarquable, sauf qu'on a vu se creuser de plus en plus un fossé géant, qui est toujours là d'ailleurs, entre les petites élites très intégrationnistes, voire même fédéralistes, et puis l'immense masse des Européens qui est devenue sceptique. Pas sceptique au sens d'hostile. Donc il faut bien distinguer les hostiles qui sont 10 à 15%, enfin ça dépend des pays, et les sceptiques, c'est-à-dire tout le monde. Ils ne sont pas contre. Ils trouvent ça pas mal, ils trouvent ça très bien ce qui a été fait, mais enfin, ils ne s'y retrouvent plus tout à fait, donc ils votent plus, quoi. Ça donne les 60% d'abstention. Là, c'est vraiment le vrai problème, à mon avis, de l'Europe d'aujourd'hui et de demain. Par ailleurs, mais c'est un autre sujet, je ne crois pas que la politique occidentale, américaine ou européenne, selon les moments, ait été tout à fait intelligente par rapport à la Russie dans cette période, mais c'est un autre sujet. Toujours aussi nécessaire, oui. Je pense que l'expression de couple que vous n'employez pas était de toute façon pas tout à fait adéquate, trop narcissique, trop tournée vers les deux participants, alors que la France et l'Allemagne dans les grands moments, c'est-à-dire De Gaulle, Adenauer, Giscard Schmitt, Mitterrand, Kohl, c'est des moteurs, plutôt des moteurs que des couples. Il n'y a plus vraiment de couple au sens de la phraséologie sentimentale d'autrefois. Depuis la réunification, l'Allemagne n'en a plus besoin, en quelque sorte. Mais en même temps, c'est gênant pour l'Allemagne d'apparaître trop forte, trop dominante. Et donc, du point de vue de l'Allemagne, c'est très intéressant d'avoir un partenaire essentiel. Et quel que soit le respect qu'on a pour les autres pays importants d'Europe, ça ne peut pas être un autre pays que la France. Donc, on est dans une situation où rien ne peut se substituer à une entente franco-allemande. C'est toujours le cas aujourd'hui. On voit bien que quand les deux pays ne s'accordent pas, rien ne marche très bien. Sauf que cette entente ne tombe pas du ciel, elle n'est pas automatique, elle n'est pas inscrite dans le marbre, et donc il faut la construire, la reconstruire sans arrêt. Parce que même après des décennies d'amitié franco-allemande, c'est quand même des pays différents. Donc je dirais oui, ça demeure indispensable, ça demeure irremplaçable, mais c'est un travail de tous les instants, très important pour la France, l'Allemagne, pour l'Europe, pour la suite.